Dors, tombe. Ah. Entrez. Herr Knight. Il y a des gens qui sont venus vous voir. Moi? Oui, si vous voulez venir. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes étrange depuis ce matin. Je vous en prie, venez. Et prenez votre talisman. Vous devez toujours le porter. Ce machin est très lourd. Bonsoir tout le monde. Ça devrait pas être des torches? Guten Abend, Herr Knight. Je suis Werner Huber. Excusez-nous de venir si tard, mais nous devons vous parler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, voici mon cousin Huber Sepp. Il a une ferme tout près de Munich. Je ne vais pas vous mentir, Herr Knight. Nous venons voir le Schattenjäger. Ah oui. Pourquoi auriez-vous besoin d'un Schattenjäger? C'est à cause de Sepp. Avant-hier soir, sa femme a ouvert la fenêtre de la maison pour appeler leur fille, Tony. Il commençait à faire sombre et la lumière d'or n'était pas bonne. Hein? Elle a vu Tony à quelques mètres jouant dans l'herbe. Et elle a vu un loup énorme et qui se rapprochait de l'enfant. La mère a crié pour prévenir son enfant. C'est là que la bête a frappé. Tony. Du calme, bonbon. Ils disent qu'elle est morte vite. Sepp a entendu sa femme crier. Il est sorti en courant de l'étable. Il a vu le loup. Il est entré dans la maison pour prendre une arme, mais quand il est ressorti, plus de loup. Et il a emporté une partie de l'enfant avec lui. C'est horrible. C'est très grave, Herr Knight. C'est pour ça que nous venons à vous. Est-ce que la police a été prévenue? Bien sûr, la police, ils croient que ce sont les loups échappés du zoo. Ils cherchent et cherchent, mais ne trouvent rien. Ce n'est pas la première victime. Et si on ne fait rien, ce ne sera pas la dernière. Je ne vois pas très bien ce que vous voulez que je fasse. Le tueur n'est pas un loup. C'est un loup-garou. Et vous devez le chasser et le tuer. Loup-garou? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un loup-garou? Le loup m'a regardé. Ses yeux étaient humains. Il savait ce qu'il faisait. Il savait. Je suis vraiment désolé pour votre fille, Herr Huber. Je leur ai dit que vous étiez le nouveau Schattenjäger. Vous avez le talisman. Êtes-vous le Schattenjäger maintenant? Oui ou non? C'est moi. On ne vous connaît pas, Herr Knight. Mais nous connaissons les Schattenjäger depuis des siècles. C'est vers eux que nous nous tournons dans ces cas-là. Sepp est de ma famille. Vous viendrez pour regarder l'endroit. Pour voir ce qu'il y a, hein? Sepp et sa femme vont dans le nord pour voir sa mère. Vous pouvez rester dans sa ferme. Très bien. J'irai voir là-bas pour vous. Voir ce que je peux voir. Je fais votre sac. Bien. Merci. Je vous retrouverai au village dans une heure. Oh, merci, Herr Knight. Merci.
pas ça! Arrêtez ça tout de suite! Désolé. Vous n'auriez pas dû faire ça, Monsieur Knight. Elle était si gentille, comme un chien. Un loup n'est pas un chien, Monsieur Knight. Désolé, vraiment. Oui. Bon, il s'est rien passé. Vous avez fini maintenant? Oui, merci. Je parlerai de vous à Klingman. Oh, wunderbar. Vous êtes de la télé? J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Vous êtes américain? Exact. Et vous pensez avoir des informations sur cette mutilation en ville? J'ai bien des informations, oui madame. Je voulais en discuter avec le commissaire là-bas, mais il a l'air très occupé. J'ai donc pensé vous en parler. Nun gut. Was soll's? Dreh schon, Dieter. Wir befinden uns am Tatort des bis jetzt letzten bizarren Todesfalles, der durch die Killerwölfe herbeigeführt wurde. Bei mir befindet sich ein Amerikaner, der offensichtlich wichtige Hinweise bezüglich dieses Mordfalles hat. Je crois que vous avez des informations au sujet des attaques de loups? Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire Lebert, lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux, alors que ceux des loups du zoo sont gris? Er fragt, wieso die Tierhaare am Tatort rötlich braun sind, wo doch die entlaufenden Zoowölfe offensichtlich grau waren. Et pourquoi les empreintes trouvées sur la place indiquent un animal plus gros que l'espèce du zoo, Canis lupus lupus. Und fragt, wieso die Pfotenabdrücke am Tatort viel größer sind als die der Zoowölfe. Où avez-vous eu ces informations, monsieur? Très bien. Vous avez mon attention. Mais qui êtes-vous? Je suis Gabriel Knight, le romancier américain. Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle, ils ne m'ont pas laissé entrer. Très bien. Oui, je vous verrai au poste plus tard. Mais seulement si vous acceptez de filer d'ici et de ne plus parler à la presse. C'est compris. Herr Knight? Hey! C'est réservé aux membres. Uniquement. Oh, désolé. C'était ouvert. Je remonte. Halt! Je préfère être sûr que vous ne ferez pas d'autres détours imprévus. Après vous. Xavier, kommen Sie! Oui, Baron Wenzel? J'ai trouvé la porte de la cave ouverte et Herr Knight au sous-sol. Vous pourriez peut-être surveiller un peu mieux à l'avenir. Compris, Baron Wenzel.
Puis-je vous parler, Baron Fonsen? Oui. À quel sujet? Avez-vous entendu parler du loup noir? Non. Vous avez mentionné que vous n'allez pas tous chasser à l'étranger? Non, jamais. Mais ces trophées dans la cave, il y a vraiment des tigres blancs en Allemagne ou des lions? La majorité des proies du club sont des espèces très courantes, Herr Knight. Les trophées du sous-sol sont des exceptions et ont été obtenus légalement. Vous m'avez mal compris, Baron Fonsen. Je ne crois pas. Écoutez, dans tous les cas, le sous-sol n'est pas ouvert à tous. Et tout ce qu'il contient donc ne vous concerne pas. Bien sûr, excusez-moi avant. En tant qu'invité du club, pourquoi vous avez été invité, c'est pour moi un mystère. Mais en tant que tel, vous devriez limiter votre curiosité aux endroits qui vous sont offerts librement par les habitués de ce club. Vous avez raison. Ah ! Gabriel, quel plaisir de vous revoir si tôt. Bringen Sie bitte ein zweites Glas Wein. J'espère que je n'abuse pas de votre charmante invitation. Mes invitations sont faites pour être tenues. Entrez, réchauffez-vous. J'espère que vous aimez le vin. J'y ai succombé quand je vivais en France. C'est parfait, Baron. Appelez-moi Frédéric. Très bien. Bon. J'aime mes affaires en ordre. Vous alliez me raconter comment vous aviez trouvé le club et vos parties de chasse en Amérique. Oh, il y a sûrement des sujets plus intéressants. Sans doute. Vous êtes un homme qui ira loin, je présume. À mes moments perdus. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon. Un esprit plein de trésors à découvrir. Des pensées rares comme les oiseaux. Découvertes et examinées, une par une. Ce n'est que quand les gens se connaissent qu'ils n'ont absolument plus rien à se dire. Que cela ne nous arrive jamais. Vous avez une femme, des enfants? Grand Dieu, non. Vous parlez comme quelqu'un que je connais. J'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes entre nous. Est-ce que vous avez des parents? Et comment se porte la généalogie d'héritaires? Je suis le dernier. Moi aussi. Je crois que tous les arbres finissent par ne plus donner de fruits. Parlez-moi donc des autres membres du club. Ah, mes rares élus. Vous verrez que ce sont des amis de valeur quand vous les connaîtrez. Est-ce qu'ils sont tous entrés dans le club grâce à vous? Pour la plupart. Mais de temps en temps, le destin m'en envoie aussi. Tous les membres du club viennent de riches familles allemandes, je parie. Oui. Mais ce n'est pas aussi simple. Je crois fermement à l'autodétermination. Chaque membre du club doit être aussi personnellement accompli et doué. Vraiment? Absolument. Par exemple, Von Hagner possède une des plus grosses boucheries industrielles d'Allemagne et une brasserie de premier ordre. C'est vrai qu'il a hérité de ses affaires, mais il s'en est très très bien sorti. Une boucherie? Et les autres? Price est reconnu comme un des avocats les plus célèbres d'Allemagne. Il semble plaisant de sa personne. Mais vous seriez surpris de voir comme il est vicieux au tribunal.
Et Hanuman? Il est au gouvernement. Il a une très bonne position. Et c'est un candidat reconnu pour les hautes fonctions. Vraiment? Très haut? On a pu lire dans certains journaux qu'on le voit au sommet. Ce serait très pratique pour ses amis, non? De tels hommes sont un atout pour tous ceux qui les connaissent. Il y a quelque chose au sujet du club que je ne comprends pas très bien. Oui? J'ai l'impression que vous n'êtes pas un club de chasse normal ou ordinaire. Non. Cette pièce au sous-sol, par exemple? Je vois que vous avez exploré. La porte était ouverte. Ce n'est pas grave. Vous avez raison. Oui. La Königliche Bayerische Hoflagloge est plus qu'un simple club. Nous partageons une philosophie aussi entre nous. Je suis curieux au sujet de cette philosophie dont vous parlez. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet? Vous êtes vraiment intéressé? Oui. Tant mieux. Vous semblez être le genre d'homme qui apprécierait notre manière de penser. Les membres du club et moi, nous avons le désir de nous renouer avec notre véritable nature physique. Continuez. Prenez les choses ainsi. Qu'est-ce qui différencie l'homme des autres espèces sur cette planète? La civilisation, bien sûr. Oh, ce n'est pas si mal, la société humaine. Mais elle finit par coûter très, très cher. Avec la civilisation, l'homme a perdu son physique, ses pouvoirs sensoriels, son instinct, si vous voulez. Il est devenu gras et paresseux. Une vieille lame rouillée. Et encore dans les bons jours. Imaginez une bête dans les bois. Elle est en alerte. Elle hume. Elle voit. Elle sent tout ce qui l'entoure. Elle sait bien où un animal est déjà passé quelques jours plus tôt. Où il se trouve maintenant. Elle sent le danger. Mettez un homme civilisé dans les bois. En comparaison, il sera sourd, muet et aveugle. Je comprends, mais... est-ce que ça n'a pas un rapport avec le physique, simplement? Notre odorat et notre ouïe ne sont pas aussi développés que chez... un loup, par exemple. Exactement! Pourtant, l'homme avait les mêmes facultés. Après des générations de citadins... qui n'utilisaient plus leur sens. La génétique a lentement tout atrophié, comme un membre qu'on ne ferait plus travailler. Je pense que nous pouvons stopper cette dégénérescence. Et pas seulement la stopper, mais retrouver ses sens perdus. C'est un concept intéressant. Vous avez une preuve que de tels pouvoirs sont récupérables? Une preuve? Je l'ai senti moi-même. Une meilleure ouïe. Un odorat plus vif. Mais un document? Ça, c'est plus dur. Jusqu'à quel point pouvons-nous retrouver ces facultés primaires? Et ce que certaines d'entre elles sont vraiment? C'est ce que nous cherchons encore à savoir. Vous étiez très convaincant, Frédéric. Sans aucun doute, ce potentiel est fascinant. Comment faire pour retrouver le contact avec son propre côté physique? Est-ce qu'il y a un rapport avec la chasse? Vous êtes malin. Mais cela en fait partie, oui. L'homme est, ou était, un prédateur. Mais malheureusement, il était beaucoup trop intelligent. Il savait bien trouver et capturer sa proie. La chasse nous aide à retrouver bien sûr notre âme de prédateur. Et vous? Arrivez-vous à retrouver votre âme de prédateur? Certains d'entre nous y arrivent beaucoup plus facilement que d'autres.
Et est-ce que cette philosophie a affecté les membres du club? Les membres du club sont tous d'excellents spécimens qui ont utilisé cette philosophie pour augmenter leur succès et leur puissance. Donc vos bois sont votre quartier général? Votre proie est la compétition? Une partie de la technique peut être appliquée, oui. Quand ce sont les sens qui priment, on peut sentir toutes sortes de sensations qui se perdent normalement dans le vide. Simple hypothèse. Vous pensez qu'il serait possible de pousser cette philosophie trop loin? C'est drôle que vous y pensiez si vite. Cela ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. J'espère que non. Avez-vous entendu parler du loup noir? Je suis désolé. C'est ok. Gunther! Würden Sie das bitte reinigen? Vous m'avez à peine mouillé. Tout va bien? Oui. Danke. Je suis si maladroit. Danke, Gunther. Quelle était votre question? Je vous ai demandé si vous connaissiez le loup noir. Bien sûr, c'est vrai. Je pense que vous m'avez troublé. Ces crimes dans les journaux, ils m'ont vraiment perturbé. Des raisons particulières? Les gens qui se font massacrer, les enfants, et en plein jour. La nature peut sembler cruelle, mais elle est ordonnée. Elle ne gaspille pas, ne torture pas. Pas comme ça. Et avec le club qui suit nos actions, notre philosophie ne supporte pas ce genre de choses. Je suis sûr que c'est vrai. Pardonnez-moi. C'est juste. Je crains que nous ne soyons pas sous le meilleur jour dans ces circonstances. La promotion de la chasse quand ces atrocités s'étalent dans les journaux. Vous devez comprendre. La nature que je défends n'est pas meurtrière. Quand un animal a le besoin de tuer, il ne le fait seulement que pour survivre. Et il montre du respect. Il n'y a que l'homme qui est capable d'un tel massacre inutile. Je serais content que tout ça se termine. Je suis sûr que les autres pensent comme moi. Gabriel. Je sais que maintenant, vous êtes très malade. La transformation est toujours douloureuse. Je suis passé par là quand j'avais à peine 12 ans, et je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je ne serais pas la bienvenue. Je suis désolé de ne pas être là pour vous aider. Mais je sens très bien que ma présence ne serait pas la bienvenue. Vous êtes en sécurité à Rittersberg. Pour l'instant, c'est suffisant. Mais je voudrais vous parler du futur. Vous me haïssez désormais, je le sais. Mais j'ai bon espoir qu'avec la seconde lune, quand la maladie s'estrompera et que la plus grande partie de votre être sera imprégnée du nouveau sang, vous verrez les choses différemment. Vous aurez alors besoin de moi et je crois que vous me demanderez de venir. C'est grâce à cet espoir que je ne vous ai pas tué la nuit où Wenzel vous a mordu. J'aurais pu le faire facilement. Vous êtes resté inconscient pendant des heures. Je n'avais qu'à réveiller les hommes, leur montrer le cadavre de Wenzel et inventer une histoire pour attiser leur haine et qu'ils vous tuent. Je ne l'ai pas fait. Que cela soit pour vous la preuve de mon véritable désir d'amitié entre nous.
J'ai désiré de la compagnie depuis bien avant votre naissance. Exactement. C'est le lentement. Évidemment. J'arrête pas à me relire. Je désirais de la compagnie de bien avant. Depuis bien. J'ai même, mais très rarement, pris le risque d'en transformer d'autres. Mais leur cerveau n'a jamais pu supporter le sang. Et mon être élu finissait toujours par succomber. Ou par sombrer dans la folie. C'est pour cette raison que j'ai créé le club de chasse. Mon idée était d'endoctriner les hommes dès le début et de les convertir à la religion des crocs et du sang pour qu'ils soient ensuite prêts à la transformation. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas marché. Von Zell était le meilleur de tous. Si tout s'était bien passé, j'aurais pris les autres. Mais ce n'est même plus la peine d'essayer. Mais vous, vous êtes différent. Vous êtes un Ritter. Votre sang est déjà surnaturel. Oui. Je connais bien votre famille. J'ai beaucoup étudié pendant ces longues années. Lors de notre première rencontre, j'ai senti que vous ne seriez pas détruit par le don. La marque de la bête est profondément ancrée en vous et vous êtes prédisposé pour l'occulte. Vous serez puissant et magnifique dans la transformation, je le sais. Je ne voulais pas qu'elle se déroule si tôt, ni de cette manière, mais le destin doit avoir ses raisons. Mais vous, vous devez être perdu. Vous pensez peut-être que je me suis servi de vous pour éliminer Von Zell. C'est vrai. Il fallait s'occuper de lui et vous êtes arrivé à point. Que pouvais-je faire? Je suis trop vieux pour ne pas avoir appris au moins une chose sur la lumière. On ne peut pas la masquer. Il vaut mieux la laisser entrer et ensuite l'atténuer pour l'ajuster à la lumière intérieure. Pensez-y pendant la transformation de votre corps. Pensez à venir me voir à Munich dans 2 mois. Nous pouvons quitter l'Allemagne et partir n'importe où, si vous le désirez. Je vous apprendrai à chasser, à bien vivre et en sécurité. Vous pourrez sentir la morsure du vent nocturne qui vous fouette le visage et les battements du cœur de la proie entre vos crocs. C'est fantastique. Incomparablement plus que la vie sacerdotale d'un chasseur d'ombre. Ne soyez pas troublé par votre notion du bien et du mal. La nature nous prouve que cette distinction n'existe pas. Nous avons tous deux hérité de nos pères. Votre héritage est-il une malédiction ou une bénédiction comparée au mien? Venez me rejoindre. Bien à vous, Frédéric.